Ce qui s'est passé ce week-end, c'est un format différent de musique classique, c'est des petits concerts de 20 minutes. La différence avec l'année dernière, c'est qu'on avait deux concerts de manière simultanée, ce qui permettait au public de se délester sur deux endroits différents et de garder l'intimité en fait musique et nature et public en fait, garder cette osmose pour que l'émotion passe et automatiquement dans la nature avec un environnement, avec cette osmose, automatiquement le public il est touché avec en plus une proximité physiquement proche des musiciens. C'est beaucoup de gens cette année nous ont dit encore mais j'ai jamais allé à un concert de musique classique, mais là j'en avais la chair de poule. Entre deux concerts, il y a un peu plus d'une demi-heure. Et il y a possibilité cette année, il y a eu possibilité cette année, avec un animateur nature, de découvrir la faune et la flore du parc. Donc on insiste vraiment sur l'aspect nature. D'ailleurs, tout est acoustique, il n'y a absolument pas d'électricité. C'est la musique à l'état pur dans la nature. Il y a des groupes qui sont déjà constitués, mais la commande elle est spécifique pour ce festival, parce que c'est vraiment un format 20 minutes. Uniquement de musique romantique, donc il y a une commande spécifique. Les polissonnantes par exemple existent bien sûr, mais notre répertoire c'est pas obligatoirement du romantisme, donc là on a fait un répertoire spécifique pour le festival. Et dans les autres ensembles, il y a un petit peu des deux aussi, des ensembles qui sont constitués juste pour le festival ou alors qui existent déjà mais pas obligatoirement avec des répertoires déjà travaillés.